Dans une interview avec le quotidien américain New York Times, interrogé sur les raisons de la réforme de la structure de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé « L'un des problèmes du TNP à corriger est que l'AIEA, au lieu d'empêcher la production de la bombe atomique, dresse des obstacles devant les pays qui n'en possèdent pas. » L'Iran, a ajouté le chef de l'État iranien, a lancé la production du combustible enrichi à 20% après en avoir informé l'AIEA. Aucune ambiguïté n'existe dans les programmes nucléaires iraniens. Les caméras de l'agence sont installées dans les sites nucléaires du pays, a-t-il déclaré, avant de préciser que Téhéran avait agi conformément aux lois et n'avait commis aucune transgression. Il a par ailleurs critiqué la situation actuelle de l'AIEA où tout pays voulant bénéficier de ses droits légitimes se verrait confronté à de grands obstacles.